Ramsès II. La lutte est achevée. Au flanc du Liban noir, finissent lentement les sombres agonies. Et la mort, dans le sang et le pourpre du soir, l'une après l'autre éteint les prunelles ternies. Ramsès le Grand, debout sur son char, veut savoir des rebelles tribus qu'il a si bien punies. Combien de vaillants fils, leur joie et leur espoir, jonchent des monts hautains les pentes infinies. Car il faudra l'inscrire au temple de Louxor, pour que vers l'avenir il prenne son essor, ce nombre glorieux d'existences fauchées. Aussi, devant le roi, les scribes attentifs comptent l'épais monceau des mains droites tranchées, qui monte et monte encore sous les grands cieux plaintifs.